Salut à toutes, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures dans Tomb Raider. Nous sommes toujours au Pérou, c'est la dernière étape aujourd'hui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et nous ne partirons pas dès demain, nous allons y partir dans quelques instants. Mais d'abord, vos commentaires. Oui, il y en a pas mal et j'enchaîne les vidéos, vous le constatez. Donc je viens de lire les commentaires dans les premières heures après la publication de la vidéo numéro 3. Donc je n'aurais pas encore eu le temps de tous les lire. Hein. Vous en avez posté entre le moment où je les ai lus et la sortie de cette vidéo-là. Donc je vais essayer de répondre à ceux qui sont déjà disponibles. Celui d'abord de Steve7-3206 qui se demande comment il peut exister un élément pour justifier la présence d'un bestiaire préhistorique dans le jeu. Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, je vous l'ai dit, il y avait la mode des dinos à cette époque-là. J'ai même entonné Denver, le dernier dinosaure. Attends, je me rappelle pas des paroles. C'est dommage, ça ferait plaisir à JP et Isa. Mais désolé les amis, il faudra me les envoyer. Sinon, il y a ça aussi. Vous le voyez ce roman ? Alors j'espère que vous le voyez bien. Voilà, j'essaye de centrer à la caméra. Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, vous le connaissez ? Bah oui, c'est le papa de Sherlock Holmes. C'est lui qui a créé le personnage. Mais il a aussi écrit plusieurs romans qui ne parlent pas de Sherlock Holmes. Là, on est vraiment dans un monde un peu à la Jules Verne, où trois Anglais prêts à tout vont partir en expédition avec un dénommé professeur Challenger et vont découvrir un monde dans lequel subsistent encore des... qu'est-ce qu'on y trouve ? De monstrueux créatures ailées qui rappellent la préhistoire, qui n'est pas morte, des prérodactyles, des mégalosaures. Ça en a inspiré plus d'un par la suite et c'est un roman qui remonte pourtant. Il y a aussi le monde de Jules Verne évidemment, je l'évoquais, on peut parler de Voyage au centre de la Terre, voilà. Tout ça, ça a dû en inspirer plus d'un, peut-être même les développeurs de Core Design. Mais pour répondre à ta question de manière plus précise, j'ai le commentaire ici de Flylow6633 qui nous dévoile une petite info très sympathique. En effet, il nous le dit, la présence des dinosaures est expliquée dans le livre L'histoire de Tomb Raider d'Alexandre Serrel. Il nous le conseille, je vais essayer de me le procurer. En gros, Toby Gard, le créateur du personnage de Lara, s'était amusé avec le moteur du jeu à créer un T-Rex juste pour le fun apparemment. Mais quand les autres développeurs ont vu cet élément-là dans le jeu, ils l'ont convaincu de l'ajouter au jeu final, ainsi que les Raptors qui ont suivi juste après. Ils se sont amusés, et finalement c'est vrai que ça faisait un ennemi de très grande taille, il fallait gérer tous ces éléments en 3D, et ils l'avaient plutôt bien fait. C'était quand même assez cocasse. Et quelque part, nous sommes dans un jeu d'aventure, un univers fantastique, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que le fantastique s'invitait parmi nous la semaine dernière dans le niveau 3, et cet univers fantastique va continuer à nous poursuivre évidemment dans les prochains chapitres et je ne dévoile pas grand chose en disant cela. Vos autres commentaires je découvre celui de Julien Farina qui nous demande si la jauge de vie en bas de l'écran lorsqu'on a rencontré le T-Rex était présente dans le jeu de base. Pas du tout, ça fait partie des éléments qui ont été ajoutés, je l'évoquais lorsque j'ai présenté les infos qui sortaient, qui étaient égrenées par Spire à propos de la sortie du jeu. Ça fait partie des éléments ajoutés pour nous permettre de savoir quelle arme choisir par exemple. C'est vrai que dans le jeu original, si vous mettez le mode normal, je crois qu'on ne la voit pas la jauge, il faudra que je vérifie. Vérification effectuée, mes amis. Elle n'y est pas, en mode ancien. Ah, quelle musique! Je l'adore. Et puis, vous avez été quelques-uns à me faire remarquer que j'étais passé à côté d'un trophée. Le pire, mes amis, c'est que j'en avais connaissance lorsque j'ai fait le niveau, mais ça m'est sorti de la tête, comme d'habitude. Donc, il y a un trophée à obtenir dans le niveau précédent, de la vallée perdue. Il s'agit de se procurer le fusil avant d'aller rencontrer T-Rex et Raptor. Pour cela, il suffit de se laisser tomber, comme je le fais ici, et d'aller le ramasser, puis de revenir.
J'en ai profité pour obtenir un autre trophée. Ça fait un petit moment que j'essayais de l'avoir, mais je me tuais à chaque fois. Eh bien, c'est de faire un saut de l'ange à terre, hein, pas dans l'eau, et de se réceptionner sans se tuer. Donc, il faut le faire à un endroit où il y a suffisamment de hauteur, mais pas trop pour blesser Lara. Et là, vous le voyez, bah, j'ai réussi à l'obtenir sans qu'elle se brise le cou. Une autre question, alors je m'accroche pour dire ton pseudo. Une question de user AR3PB5ZS3X. Je crois que c'est comme ça qu'on va le dire. Tu nous demandes si on peut parler de la version Nintendo Switch. C'est vrai que je ne l'ai pas trop évoqué, n'ayant pas mis la main dessus. Hein, je n'ai pas de Nintendo Switch, ça explique la chose. Mais il voulait savoir si on pouvait utiliser le corner bug, par exemple, et également sur la maniabilité, peut-être. En tout cas, si vous avez des réponses là-dessus, je me ferai l'écho de celle-ci dans une prochaine vidéo. Et puis, vous avez été quelques-uns à le dire, car je ne le savais pas. Pierre était le premier. Concernant la touche pour charger une partie sur PC, eh bien, c'est la touche F9 désormais. Ah ben voilà, avant, c'était la touche F6. C'est vrai qu'elle était très proche de F5 et on pouvait se tromper. Hein, ça m'est arrivé lorsque je vous présentais Tomb Raider et le masque d'or. Je me souviens avoir chargé une partie au lieu de la sauvegarder, m'obligeant à recommencer en arrière. Ça m'avait mis en colère. J'avais juré, fichtre. Voilà donc F5 pour sauvegarder, F9 pour charger. C'est bien pratique de les avoir sous la main. Contrairement aux versions console, nous n'en avons pas de raccourcis. Et je vous ai déjà présenté les autres raccourcis pour les armes, donc je n'y reviendrai pas. Et avant d'aborder ce dernier niveau du Pérou, je voulais vous signaler qu'en fin de séquence, nous aurons aujourd'hui l'interview de William Ford, qui a pas mal commenté, vous l'avez vu, les dernières vidéos avec des informations précieuses et précises. Eh bien, William sera des nôtres pour un échange très enrichissant, encore une fois, où il va nous partager quelques petites infos qu'il a su découvrir ici ou là. En attendant, voyons ce qu'il va advenir de Lara dans cet épisode. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Nous voici donc au départ de ce niveau. Derrière nous, la porte qui s'est refermée la dernière fois. On ne peut pas... pour l'instant, revenir en arrière, mais on peut se cogner dans les murs parce qu'on relâche sa manette au mauvais moment. Admirez-moi cette salle avec ces immenses statues atlantes que nous avons largement évoquées lorsque nous avons visité la cité de Vilcabamba des guerriers toltèques, comme on en trouve à Tula, on va le dire correctement, au Mexique. C'est magnifique, très rouge, vous le constatez. Et le fameux piège à la Indiana Jones. Vous avez vu comme ils ont amélioré cette roche, hein. À l'époque, c'était pas très joli. Regardez ce que ça a donné. Voilà, elle fait beaucoup plus vrai. Le problème, c'est que ce passage, c'est celui qui nous aurait intéressé. On nous montre ici que derrière cette grille se cache le sillon des Atlantes. Alors comment l'atteindre? Eh bien, on pourrait se dire, tiens, il y a un passage là. Ouais, il faudrait encore passer devant. Mais bon, ça ne se relève pas quand on arrive. Et on note ce symbole là, vous avez remarqué, hein, ça ressemble à un volatile. Et là-bas, pas de passage. Mais, vous avez vu, Lara court. Elle ne se cogne pas. C'est une porte. Comment faire? Vous connaissez la réponse, hein, j'en suis sûr. Mais pour les petits nouveaux, regardez où ça se cache. Et c'est là que le levier se cache. Bien caché, oui. On est mal barré, là. Je sais pas pourquoi j'ai rangé mes armes. C'est un miracle que je n'ai pas été blessé. Maudite manette, j'ai pas encore changé, je vais le faire bientôt.
le temps de me la procurer. Nous avons ouvert ce passage, mes amis. Et nous retrouvons, regardez, plusieurs symboles. Alors, je vais utiliser le levier analogique. Encore me faire reprendre, moi. Vous voyez ces symboles, c'est bien entendu un symbole pour une grille, car là-bas derrière nous, il y a trois grilles qui doivent s'ouvrir, et pour l'instant, elles ne sont pas ouvertes. Alors, on a repéré celle avec le volatile. Alors, ces symboles reflètent un petit peu ce qu'on peut trouver dans l'architecture au niveau du temple de Chan Chan, enfin, ce lieu, ce site archéologique précolombien qui est dans la région de Liberta, à 5 km de la ville de Trujillo, eh bien, vous dévoilera des merveilles qui ressemble beaucoup à celle que nous trouvons dans le jeu. Pas mal de statues, pas mal de gravures s'apparentent à celles que nous voyons ici, même si les couleurs ne sont pas les mêmes. Je vous laisse contempler ces photos. Cette citadelle de Chan Chan est très connue pour ses hauts-reliefs et ses bas-reliefs qui représentent des oiseaux, des poissons, des écureuils comme on l'a vu là. Et c'est là que les dirigeants Chimú, un peuple précolombien d'Amérique latine, avaient vécu avec leur cour. On dit d'ailleurs que les maisons devinrent leur tombeau lorsqu'ils disparurent. Nous retrouvons donc ici des éléments d'inspiration Inca ou Maya. Ils sont un petit peu mélangés parfois. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le volatile. Nous n'avions qu'un seul chemin, celui que j'ai emprunté. Donc nous allons tenter de comprendre cette salle, car c'est une énigme très sympa, comme celle qu'on peut trouver dans les tout premiers Tomb Raider, il y en a pas mal des comme ça. Admirez-moi cette différence quand même de texture, je vous montre avant. Voilà, vous vouliez voir des comparaisons, vous en avez une ici. Vous avez entendu, hein? Alors, regardez, je descends un peu plus bas quand même, voilà. D'un côté, nous avons la salle au damier, dans laquelle je me trouvais tout à l'heure, avec ce pilier que nous avons réussi à déplacer. Et on a entendu une porte s'ouvrir, et bien regardez, la porte qui s'est ouverte, c'est celle-ci. Ce n'était pas vraiment visible quand on est arrivé. À côté du levier, c'était le même motif que celui que nous avons à gauche. Et maintenant, si j'appuie dessus, je vais déplacer le pilier, si on peut appeler ça un pilier, le bloc, dirons-nous. Mais je ne veux pas le faire pour l'instant, car il y a quelque chose qui m'intéresse. Oui, je sais, je me suis cogné parce que j'ai relâché la touche marcher au mauvais moment. Regardez. Une alcôve ! Je l'ai placé. Les fameuses alcôves de Morlock. Ceci nous permet de déplacer le second pilier sur lequel nous sommes montés tout à l'heure pour atteindre l'ouverture. Et là, je vais prendre un peu moins d'élan quand même pour essayer de tomber au bon endroit. C'est parfait. Maintenant, je vais profiter de ma présence ici pour... Ah, on peut pas remonter par là, c'est vrai. Pour aller déplacer ce premier pilier afin qu'il me permette de rejoindre le second. Ça fonctionne ainsi, regardez bien. Hop là, on se positionne un peu mieux que ça. De ce fait, lorsque je vais descendre dans la salle, d'ailleurs pas par là, on va remonter. Sinon on ne peut pas grimper sur le bloc, il est bien trop élevé pour Lara. Donc, lorsque nous allons arriver ici, on va faire attention quand même ici, oui. On va s'assurer de tomber les deux pieds dessus. Donc, je pense qu'avec un peu d'élan, ça le fait. Oui, c'est bon. Et on va faire de même avec le suivant. Vous le voyez, il y a une alcôve, encore une. Où on retrouve ce symbole du volatile. Alors, mettez-vous bien dans l'angle ici pour réussir votre saut et ne pas tomber sur les pieux
ensanglanté. Avez-vous vu encore un de ces squelettes? Je crois que de les observer, celui-ci est le tout premier que l'on voyait dans les grottes ou les cavernes. Eh bien, nous avons un trophée, on verra ça. Je ne sais pas s'il s'est activé pour moi. Voilà, je passe au-dessus des pieux qui sont derrière nous, hein, n'oubliez pas, ils sont là. Et je m'en vais rejoindre le raptor que nous avons croisé. Enfin, que nous allons croiser, hein. C'est un troisième. On en a déjà croisé deux, en voici un troisième. Il va arriver, mais je l'attends de pied ferme. Alors si vous avez un peu peur, attention, le voilà. Oui, si vous avez peur de lui, venez vous réfugier dans le coin et grimpez ici. Comme ça, vous pourrez le tuer assez facilement si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les armes. Deuxième étape. On va prendre ce symbole-là. Vous l'avez vu, nous avons redressé. Alors, on va utiliser le mode photo pour aller voir ça de plus près. Nous avons relevé la première grille du volatile et on voit que le second symbole, c'est celui qui se trouve ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. Hein. Il n'y a pas de raison de le faire dans l'ordre, mais moi, j'aime bien être ordonné. Voilà. Et nous changeons de culture ici avec la statue devant laquelle nous arrivons. Elle s'inspire de l'art aztèque. Je vous montre ici une représentation de Chicomecoalt, la déesse de la fertilité. Ça n'est pas tout à fait la même, mais on voit bien que c'est la même inspiration. Nous avons donc quitté l'univers Inca ou l'univers Maya. Ici, c'est le monde des Aztèques. Alors, on va tenter sans sauvegarde. Oui, on va tenter. Ou pas, non. J'ai un petit peu peur parce que je me suis déjà fait avoir. Allez, je fais ma sauvegarde. On m'avait demandé de ne pas en faire plus de 3 par niveau. Je pense qu'on peut y arriver. D'ailleurs, c'est là. J'ai encore failli faire l'erreur. Ah là 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 là, quel massacre! C'est maudit loup! Quel massacre! Bon, vous le constatez, hein, c'était un piège. Le levier ne fonctionne de toute manière pas. Hein, pas la peine d'insister pour le déplacer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les textures rendent très bien. On ne fait pas trop la différence, alors qu'à l'époque, on la faisait. On note simplement qu'il y a cet anneau qui nous donne un indice. Aurais-je assez d'énergie, mes amis? Aurais-je assez d'énergie pour aller jusqu'à la fin du niveau? Si je rate ce défi-là, eh bien, j'utiliserai la sauvegarde pour revenir ici. Bah oui, ça sert à ça, les sauvegardes. Donc, nous sommes tombés dans un piège, nous allons en sortir. Hop, on se laisse tomber, n'ayez pas peur, ce n'est pas un piège, mais hop là, on veut rester en bas. Si vous regardez bien, voilà, il y a une petite trousse de secours ici. Et nous allons tâcher de sortir d'ici avec l'espoir de trouver le deuxième levier permettant d'ouvrir les grilles. Eh bien, ça tombe bien, regardez, le symbole est là, le levier aussi. Voilà, nous avons ouvert. Je ramasse une trousse et je sors d'ici en faisant bien attention de ne pas me blesser. Voilà, on est revenu dans la salle où nous étions, au tout début de ce parcours vers le levier. Voilà, maintenant on va terminer avec le plus facile. Je me suis laissé le plus facile pour la fin, oui. La dernière grille, eh bien on comprend très vite qu'on n'a pas le choix, on ne peut que la pousser, on ne peut pas la tirer vers nous. Je parle de grille, c'est le bloc, hein, le bloc que nous poussons, voilà. Et là, on ne peut pas aller plus loin. Vous aurez beau pousser, il ne se passera rien, mais vous noterez ici qu'il y a encore un anneau au pied de ce bloc-là. Attention, regardez. Vous avez le temps de traverser, mais ne vous arrêtez pas sur place.
la dernière porte. Maintenant, pour réussir votre saut ici, vous allez faire un saut avec élan. Regardez, je cours, je saute au dernier moment et j'appuie sur action juste au cas où, mais même si je ne crois pas que ce soit nécessaire d'ailleurs. Hop, et je cogne Lara pour la réveiller un petit peu. Nous voici de retour au croisement et nous allons pouvoir rejoindre la zone suivante, mes amis. Puisque les trois grilles se sont relevées. Attention, regardez, des flèches vont être projetées de part et d'autre de la salle. Alors vous pouvez aussi courir. J'ai trouvé une méthode qui fonctionne assez bien, on va voir. Non, pas toujours. Voilà. Bon, je me suis un peu blessé, on verra bien ce qu'il en est à la fin du niveau. On retrouve ces statues magnifiques ici. Et vous avez vu, je monte à cet endroit-là, précisément à cet endroit-là, pas à un autre. Et là, eh ben, on va décaniller toutes les plaques que nous avons ici, qui n'ont pas d'utilité, on va essayer du moins. Voilà, je vais décaniller les autres. Il me paraît qu'on a un trophée si on fait tomber toutes les plaques du jeu. Ouais, je m'en fiche. J'ai pas trop envie d'essayer. Alors, je vous avais parlé, lorsque nous étions à la cité de Vilcabamba, d'une technique. Nous avons un premier secret ici. Si on regarde dans notre menu, c'est là-haut. Nous avons au total 3 secrets. On en a eu un. Mais où peut bien se cacher le second? Le second, ben nous sommes déjà à l'intérieur, figurez-vous. C'est ça qui est assez surprenant ici. Il est sous Lara. Mais pour qu'elle tombe dans ce secret, à moins de se blesser hein, dans les pieux que vous voyez, ben, il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est celle que je voulais vous présenter. Il faut, je vous en avais parlé, se laisser tomber en arrière, appuyer sur action pendant que vous tombez, mais relâcher la touche action avant que Lara ne rattrape le rebord. Car si elle le rattrape, ben, ça ne le fera pas. Je me laisse tomber, j'appuie sur action, je lâche. Alors, entraînez-vous dans un lieu où ça n'est pas dangereux la toute première fois. Vous pouvez traverser les pieux sans risque, à condition de marcher. Et pour ne pas vous blesser ici, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de se placer vraiment ici à la jonction. Alors, je suis pas bien positionné. Je vais essayer de bien placer Lara, ça n'est guère facile. Non, là, elle ne veut pas. Alors, il faut faire de millimètre par millimètre si vous ne voulez pas la blesser, comme on veut faire un parcours sans trousse de secours. Voilà qui est réussi. Il faut vraiment être au bord. Hein. Et on va sortir de ce double secret. J'avais trouvé ça très bien vu, très bien senti. Il n'y a rien derrière les autres statues. Le Sion est à notre portée, mais avant ça, petit trophée si vous voulez l'obtenir, ce trophée, regardez. Vous voyez qu'elle vise cette créature étrange. On reconnaît au centre le squelette de Kualopek, puisque le trésor que nous cherchons était enfoui dans le tombeau de Kualopek, mais on voit ces deux drôles de créatures momifiées. Alors je vous montre un peu ça. Voilà, ceci nous donne un trophée, on le verra. L'autre créature, elle, ne se relève pas. Enfin, ne peut pas être ciblée et visée. Bah, si on ramassait le secret, le trésor plutôt. Alors vous le notez, je fais le tour de la salle pour éviter de prendre ça sur la tête et je continue à avancer. Là où nous avons commencé le niveau, je vais aller derrière le rocher. Ici, hop, pardon, je me permets une sauvegarde, une deuxième. On va aller là. We'll be right back.
Voilà, ça nous coupe la musique, c'est dommage, mais et avec le peu d'énergie que j'ai, je ne suis pas sûr de terminer le niveau correctement. Mais tant pis pour moi. Voilà, le dernier secret, car il y en avait trois. Et en plus de ça, nous avons un dernier objet à aller chercher qui n'est pas un secret. Je vais voir si j'ai le compte des objets, ça serait bien. Il doit m'en manquer un, c'est bien ça. Voilà, 7 de 8. 7 de 8. Donc je risque d'avoir à recharger ma partie car j'ai été bien trop blessé pour espérer m'en sortir sans mal. C'est bien ce que je disais. Allez, je me mets hors de la portée de l'arme de ce cher Larson, que Jacqueline Natla appelle Larsen, hein, curieusement, au début du jeu. Là, il ne m'a pas touché ce coup-ci. Et je récupère mon trésor, mon secret, une nouvelle fois. Trésor, secret, je ne sais plus où j'ai la tête. Allez, croisons les doigts pour que je m'en sorte. Ah ! Mais saleté de bonhomme là, il m'a fait mal ! Je peux encore m'en sortir. Je vous ai amené ici donc pour avoir le dernier objet, parce que si on veut faire un parcours avec tous les objets, bah, il vaut mieux savoir où les trouver, et le dernier se cache là. Je pense que je devrais m'en sortir, puisque je dois avoir suffisamment d'énergie pour maintenant blesser Larson. J'avais suffisamment d'énergie pour blesser Larson. Oh ! Allez, nous recommençons. Je plonge le plus bas possible pour me cacher. Je récupère une énième fois le secret. Maudit dernier objet. C'est lui qui me joue des tours, parce que je pourrais tout de suite commencer à tirer sur notre ennemi, le boss final du Pérou. Mais ça m'empêcherait de récupérer l'objet, puisque ça déclencherait la cinématique finale, ne nous laissant pas l'opportunité d'aller nous en emparer. Alors c'est la zone où nous avions rejoint la vallée perdue, vous savez, mais là on a constaté qu'elle était fermée. Vite ! Voilà, je peux encore m'en sortir si je m'y prends bien. Heureusement, il ne nous suit pas là. Donc oui, c'est la zone où nous pouvions rejoindre, je vous le disais, la vallée perdue et le fameux T-Rex, ainsi que ses chers raptors. Voilà, voilà. Cette fois, je vais reculer avec prudence. Hop. Et on va pouvoir cibler notre ennemi. Alors, je ne sors pas les armes que j'ai réussi à récupérer, comme les Uzi. Bah, on n'a pas les Uzi d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte ? Et je vais jouer les lâches. On va essayer d'avoir Larson d'abord comme ça. Grâce à ce type de saut. Puisque tant que je garde la touche action enfoncée, je cible, je tire surtout sur Larson. Je l'ai verrouillé et je ne relâche pas tant que je ne l'ai pas abattu. Allez, on va quand même tenter de prendre un peu de risque. Vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre.
allez. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Mais oui. Vous et ce satané morceau de Sion. Si vous y tenez tant que ça, je vais vous le coller dans le... Attendez, vous parlez de l'artefact, là? Un peu, mon neveu. Je vais vous le... Voilà. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Miss Natla a mis Pierre Dupont sur l'affaire. À quel endroit? Ha! Vous n'êtes pas assez rapide pour lui. Donc, je perds du temps à discuter avec vous ici. Moi, je ne sais pas du tout où il court, avec ses petites pattes de pied tendre. Allez demander à Miss Natla. Merci. Je vais... Je vais, eh oui, vous m'aviez fait la réflexion, bah oui, c'est comme ça dans le jeu original aussi, hein. Ce sont exactement les mêmes voix, elles n'ont pas été réenregistrées. On parlera de l'équipe de doublage du jeu dans une vidéo, hein. C'est promis, quand on aura entendu la plupart des voix, voire toutes. La tombe de Qualopec est donc terminée, on a tous nos objets, nos ennemis tués et nos secrets découverts. Et quelques trophées aussi, ça va de soi. À présent, comme à chaque fois désormais, petite interview et j'ai le plaisir d'accueillir William. Salut William. Salut Morlock, salut tout le monde, comment ça va? Bah ça va super, et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie pour cette interview. Merci à toi, puisque si je t'ai proposé de venir ici, c'est justement par rapport aux commentaires que tu as pu faire. Certains ont été épinglés, donc j'imagine que quelques-uns parmi vous les ont lus. William, est-ce qu'on peut te présenter comme un aficionado de la saga? Je pense que oui. Je pense que oui, également peut-être pour Legacy of Kain, dont j'avais déjà écrit des commentaires il y a quelques années sur ta chaîne, des pavés de texte aussi. Mais oui, mais un jeu qui marque, hein, quand on y a touché, sans défaut. Il y a beaucoup à dire. T'as découvert Tomb Raider à quelle occasion, avec quel épisode? Alors, je ne pourrais pas dire avec certitude, car j'ai vraiment grandi avec ça. Ce sont mes frères qui m'ont un peu introduit à la saga, on va dire, et... Bien, les jeux de core design sont un peu restés ancrés dans ma mémoire pour leur ingéniosité, pour le gameplay addictif. Justement, puisque tu les connaissais avant, aujourd'hui, quelle est ton impression générale sur ce remaster? Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas découvert ces jeux à l'époque de leur sortie. Alors, je suis né en 1998, seulement quelques mois avant la sortie de Tomb Raider 3, donc forcément, je ne pouvais pas jouer depuis le berceau. Et donc, comme je le disais il y a un instant, c'est mes frères, hein, qui m'ont un peu introduit à la série. Ils ont découvert eux-mêmes ces jeux-là pendant les années 90-2000, par le biais de mon père, hein, qui avait acheté ces jeux et d'ailleurs qui les a rachetés aujourd'hui. D'ailleurs, qui fête ses 60 ans et il a acheté ces remasters car il est toujours gamer et même chasseur de trophées, comme moi. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc c'est important pour moi de préciser ça parce que justement tu avais évoqué que certains joueurs avaient idéalisé ces jeux à l'époque de leur sortie pour la claque graphique que c'était d'avoir des jeux en 3D à l'époque. Mais moi je n'ai jamais vraiment eu cette claque, on va dire, parce que je les ai connus dans un landscape jeu vidéo ludique, on va dire, où la PS2 était sortie, la PS3 était pas très loin. Il y avait eu un sacré progrès technique entre la sortie, évidemment, et l'époque où tu les as découverts. Crytek Dynamics avait déjà ses mains sur la série. Donc, il y avait aussi les autres jeux qui étaient mieux faits graphiquement. Ils m'ont moins attiré que ceux de Core Design, parce que j'avais le choix entre les deux, quand même, quand j'ai grandi. Et donc, pour en revenir à mon avis sur ces remasters, comme je n'ai jamais vraiment idéalisé ces jeux, j'ai vraiment apprécié le travail de remaster qui a été fait. Je suis pas tombé de haut non plus, mais je sais que certains avaient pu idéaliser en raison, on va dire, de l'ingéniosité géométrique que proposaient ces jeux. C'est vrai qu'il y avait une illusion... que c'était bien fait, mais aujourd'hui, quand on y rejoue, voilà, c'est un peu vieilli, mais le travail de remaster derrière, j'ai trouvé ça très propre, et comme l'a dit Julien dans son interview l'autre fois, j'ai trouvé ça très fidèle. En tant que développeur moi-même, je trouve ces remasters exemplaires, je trouve que c'est la définition même de ce que des remasters devraient être. Il n'y a pas que les graphismes, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que le travail de texture qui a été effectué, il y a le contenu, donc il y a la nouvelle partie plus, il y a
on va dire, les fonctions, en anglais, ça se dit QOL, qui visent à améliorer ces jeux, les rendre plus accessibles aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il fallait appliquer des patchs et autres. Oui, je trouve que ces remasters, je suis scotché. Hein. Déjà, il y a les trophées, et moi, je suis un grand chasseur de trophées, comme tu t'en doutes. Ça fait 15 ans que je chasse les trophées, j'ai commencé il y a 10 ans. Donc j'ai un peu grandi d'ailleurs avec ce système et je trouve que il y a une liste très variée avec un peu de challenge quand même et là pour te dire je viens de terminer tous les trophées de Tomb Raider 2. Tomb Raider 1 et là, le timing est parfait, je vais commencer Tomb Raider 3 tout à l'heure. Mais au-delà de ça, j'avais envie de te demander, il y a une affaire d'héritage aussi, j'ai l'impression. Enfin, tu l'as évoqué, ton père y jouait. Je me rends compte que beaucoup parmi ceux qui regardent les vidéos ont cette transmission qui s'est faite. J'ai l'impression que ça compte beaucoup aussi. Hein. Les parents ont transmis, ça y est, on est dans une nouvelle génération là. Ouais, c'est bien que ça puisse se transmettre parce que cette période core design, il y a un peu. Quand on parle de Tomb Raider avec, par exemple, certains de mes amis. Qui ont le même âge que moi, ils connaissent pas ces jeux-là, ces jeux de core design. Et donc, ça me permet également de leur présenter ce que c'était et leur dire de tenter les remasters. Ça les met à portée d'un autre public, je trouve. Et ça, c'est intéressant, oui, justement, sur ce projet. Pour beaucoup, comme pour moi, c'est la vraie Lara Croft. C'est oui, la définition même de l'aventurière un peu hors la loi. Hein. Parce que j'ai regardé la visite guidée que tu as publiée aujourd'hui, d'ailleurs, qui en parlait. C'est vrai que Lara Croft n'a pas de gêne, hein, aller chercher tous ses trésors, être une pilleuse de tombe, hein, dans le sens... Oui, c'est la traduction. Bon, ben, voilà. Hein, oui, c'est les véritables jeux, c'est là que tout a commencé, et c'est bien qu'il y ait cette histoire d'héritage, on va dire. Et je crois qu'il y a quelque chose qui marque les joueurs, et c'est peut-être le reflet de ce que tu dis. Il y a dans ces jeux de core design un enjeu assez fort, hein, une difficulté qui est vraiment présente. On ne prend pas le joueur pour un idiot, on ne lui donne pas le chemin, on le laisse se débrouiller comme s'il y était. Et je pense que c'est ce qui fait toute la différence avec ce qui s'est fait ensuite, pour ma part. En tout cas, je ne sais pas ce que tu penses de ce point de vue. On ne tient pas le joueur par la main. C'est un peu, là je vais extrapoler, mais c'est un peu comme la série des Dark Souls. Ce sont un peu des jeux... des jeux punitifs, mais dans le sens où également on n'est pas tenu par la main, on ne sait pas où on doit aller, on doit explorer. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore ces jeux-là et que j'adore Tomb Raider, c'est que on doit faire fonctionner notre tête pour une fois et on n'est pas tenu par la main comme dans les jeux qu'on peut trouver actuellement chez Ubisoft ou et qu'on sort. Voilà. On a tous un petit côté maso, je crois aussi, hein, par rapport à cette difficulté. Je me définis comme un joueur un peu masocore. Alors, tu as évoqué le développement de ce remaster sur l'un de tes commentaires. C'est intéressant parce que moi, je pensais qu'Aspyr, c'était simplement inspiré du travail des fans qui étaient derrière Open Lara, mais apparemment, il y a eu un travail commun. Alors, oui. Donc, tout a commencé, en fait, lorsque Embracer a racheté Crystal Dynamics pour acquérir Tomb Raider. Du moins, je pense que c'est là que tout a commencé, vu les dires du directeur technique. Donc, justement, parlons-en. Le directeur technique surnommé X-Proger, c'est le créateur, en fait, d'un projet de fan, projet Open Lara, qui est une décompilation qui vise à améliorer, corriger les bugs des jeux originaux. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, hein, je parle un peu chinois là, une décompilation, c'est vis-à-vis du code source. Donc encore une fois aussi le code source, qu'est-ce que c'est? C'est le programme. C'est le programme. Voilà, on va dire le jeu, considérer le jeu comme une maquette et le code source comme le kit de construction. Si vous voulez recréer le jeu, si vous n'avez pas le kit de construction, le code source, vous êtes obligé de le déconstruire et de le reconstruire après. Et le problème, c'est que dans cette maquette, il y a des pièces qui sont tellement imbriquées et collées que vous aurez moins de flexibilité forcément que si vous aviez le kit de construction, le code source. Et donc c'est un peu ça Open Lara, c'est qu'il y avait toujours eu quelques limitations. Et X-Proger, donc pendant l'acquisition, a approché un studio, Saber Interactive, qui appartient à Embracer, pour leur pitcher, et à Aspyr également, Aspyr, le projet de remaster des Tomb Raider qu'on a actuellement. Il leur a dit... voyez ce que je peux faire sans le code source. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec le code source. Le code source est détenu par les derniers ayant travaillé sur le jeu de core design, étant Aspyr, qui
qui avait fait les ports Mac, les extensions Gold d'ailleurs, et jusqu'à l'Ange des Ténèbres. Je tiens à préciser ce point important, car est-ce que l'Ange des Ténèbres sera remasterisé? Il y a du potentiel là-dedans, hein, dans cette idée. Je crois qu'il y en a même qui rêveraient que les niveaux supprimés soient intégrés. Bon, ils n'ont jamais été finalisés, mais ils avaient été déjà engagés assez largement par l'équipe de Core Design. Je pense qu'il n'est pas absurde d'espérer ça. Après, oui, il faut croiser les doigts aussi, quand même. Mais comme les fans sont impliqués, tout est possible, hein, j'ai envie de dire. On peut rêver. Mais parlons-en des fans. Et donc, pour assurer, donc, le projet a été validé, hein. Donc rapidement, et pour assurer la pérennité du projet, X-Proger, donc qui avait été nommé directeur technique sur les remasters, s'est entouré de fans, comme je l'ai évoqué dans mon commentaire, des fans issus de la communauté de l'éditeur de niveau, Tomb Raider, le TRLE, Tomb Raider Level Editor. Celui qui était sorti avec le numéro 5 à l'époque. Tu en avais parlé justement, je me souviens, dans la vidéo bonus, quand tu as présenté Chronicles. Et donc, il y a une communauté qui s'est organisée autour de cet éditeur. Il y a des milliers de niveaux, des fois très semblables à ce que faisait Core Design. Hein, c'est dans la même veine. C'est vraiment des projets intéressants. Il y a même des jeux hein, qui se font, et notamment des projets de remaster. Et c'est ce qui a valu l'attention de X-Proger. Et je vais justement parler d'un membre éminent de cette équipe. Je ne vais pas parler de tous les membres, sinon on va passer 30 ans. Il faudrait une deuxième séquence. Voilà. En membre éminent, j'aimerais mentionner Giovanni Luca, qui est italien, qui est le lead artiste de Série Master. Et il avait travaillé il y a quelques temps maintenant sur son propre remaster de Tomb Raider 3. Le travail qu'il a effectué lui a valu donc l'attention de X-Proger, parce que c'était très semblable à ce qu'on trouve en termes de texture dans les remasters. Il y avait cette fidélité graphique, on va dire, et un respect du matériau original. Et donc, il s'est dit, c'est la meilleure personne à mettre en charge, on va dire, de l'aspect artistique de ces remasters. C'est le choix, je trouve, intelligent qui a été fait, c'est de faire appel à des fans. Alors ça peut être traître, parce que les fans sont parfois un peu trop exigeants et pourraient limiter la chose, mais il y a à la fois ce travail de fidélité et un travail de progrès aussi sur les méthodes de gameplay. Donc là, je pense que... Il faut savoir aussi que Aspyr a récemment déclaré, hein, parce qu'il y avait un live stream et tout quoi, ils ont déclaré que les fans s'y connaissaient encore mieux sur ces jeux que les développeurs, pas les développeurs originaux, mais que Aspyr eux-mêmes. Quoi. Donc, effectivement, l'implication des fans était essentielle, je pense. Car comme tu l'as dit d'ailleurs, c'est tout un héritage. Il y a peut-être même des personnes chez Aspyr ou Saber qui n'ont jamais connu ces jeux, peut-être, avant de travailler sur ces remasters. Donc, effectivement, les fans ont apporté leur pierre à l'édifice de façon vraiment sublime, je trouve. Et moi-même, en tant que, comme je le disais, en tant que développeur ayant commencé comme modder, j'ai travaillé sur un remaster qui a un peu suivi le même processus. Sauf que c'est nous qui avons approché l'éditeur pour ce projet. Donc, c'était un peu de la même manière que ce que les fans ont fait avec Tomb Raider. C'est bien, c'est pas... ça n'est plus chasse gardée, en tout cas, de la part des producteurs ou des éditeurs. Donc, il y a un sacré chemin. Le changement d'éditeur avec Embracer a rapproché un peu les fans, on va dire, des développeurs, et je trouve ça bien. Et il faut croiser les doigts pour que ce soit un réel succès, histoire de les encourager à faire à nouveau appel à ce genre de projet. Alors, puisque tu es un coureur de trophées, je crois que tu as bien visité le jeu et que tu as notamment noté pour nous des easter eggs. Alors les easter eggs, pour ceux qui découvrent le langage, c'est des petits cadeaux visuels qu'on nous fait, par exemple, dans le jeu, qui font référence à quelque chose. Et je crois que ça a pas mal à nous soumettre. Oui, effectivement. Alors si on maintient les touches L1 et R1... Oh non, il a sorti les lunettes. Cela permet... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai appuyé... Juste avant de rejoindre cette interview, j'ai maintenu les touches L1 et R1, et pendant que ça chargeait, justement, les lunettes rouges sont apparues comme par magie. C'est magnifique. Donc, effectivement, la même chose est possible pour Lara Croft. Vous pouvez faire apparaître, comme l'a présenté Morlock, les lunettes sur le museau de Lara. Je trouve ça intéressant, parce que c'est des lunettes qui apparaissaient dans les FMV de Tomb Raider 2, notamment, et on se disait, oui, comment ça serait bien de pouvoir jouer avec
cette Lara là. C'est vrai qu'elle les rangeait au moment où elle pénétrait dans les cavernes, donc finalement on peut les ressortir. Bah, c'est un peu logique, on va dire, parce que c'est assez sombre, mais c'est un peu dommage. Et donc tu as présenté également le T-Rex hein, dans le manoir. Voilà, le fameux tableau du trophée que l'on voit à la place de celui qu'on trouve à l'origine. Oui, donc pareil, en maintenant L1 et R1 sur le contrôleur. Je pense qu'il y a d'autres easter eggs cachés qu'on n'a pas encore trouvés, mais on va dire que c'est les essentiels, ceux-là. Il y a également le fameux teaser de Tomb Raider 4 que tu as mentionné sous mon commentaire. Donc, peut-on espérer un remaster ? Alors voilà, je regardais, j'étais intrigué tout à l'heure, mais qu'est-ce que je vois ? Une petite maquette hein, que j'ai fait pour l'occasion. Un petit... petite bannière du jeu by Morlock, enfin non, Morlock et Vieux, excuse-moi. C'est vrai que j'ai changé de nom. Mais là, du coup, toi tu t'arrêterais au 4 et 5. C'est pas que je m'arrêterais au 4 et 5, j'aime bien le 6. Et d'ailleurs, je me suis un peu pris les foudres de la communauté en faisant ça, parce que j'ai publié ça sur Twitter, et la maquette a été vue 60 000 fois. Et... beaucoup de détracteurs de Tomb Raider 6 croyaient que je n'aimais pas le jeu, mais en pensant de façon réaliste, je ne pense pas que ça sera dans la prochaine collection. Peut-être qu'il faudra attendre un remaster séparé, car c'est un moteur différent. Oui. La charge de travail n'est pas la même, forcément. Et ça prend beaucoup de place aussi, je pense, parce que le jeu en lui-même était assez immense, surtout si on imagine les niveaux supprimés, ça serait encore plus délicat à faire. Mais c'est un bon jeu, je pense, hein. C'est simplement que l'équipe s'y est très mal pris. Je vois beaucoup de personnes qui le dénigrent. Ok, le gameplay est pourri, mais je crois qu'il y avait une histoire bien plus puissante encore que les tout premiers, hein. C'était davantage travaillé au niveau du scénario, en tout cas. Ben, il y avait en plus d'autres jeux qui étaient prévus, hein. C'était censé être une trilogie de toute manière. Mais oui, c'est vrai que les soucis techniques ont vraiment impacté la vie générale. Je trouve ça un peu dommage, mais compréhensible d'un autre côté. Le jeu était cassé et ça avait beau être quelque chose qui devait être bien, je pense, hein, si ça avait été fait correctement. Il y avait, oui, effectivement, des problèmes non négligeables. J'espère que ça sera corrigé, car il y a justement des projets de fans qui visent à améliorer le jeu, des correctifs et autres, et ça rend le jeu un peu plus supportable. Et je pense qu'avec une équipe entière de professionnels, il y a quelque chose qui est possible, effectivement, avec ce jeu. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de bien, mais il faudrait prendre le temps de le faire vraiment à part. Il mériterait son propre remaster. Je crois que c'est ça le mot-clé, le temps, et c'est ce qui a souvent joué en la défaveur de l'équipe de Core Design. Le premier, bah, c'est quand même assez bien passé, ils n'ont pas pu tout faire, mais le jeu était assez complet. Puis après, bah, il y a eu ces timings de Noël à chaque fois, qui ont quelque part obligé à respecter une timeline un peu trop délicate, qui fait que les jeux sont parfois un peu inachevés, hein, surtout quand on arrive au troisième, puis au suivant, on sent qu'il y a ce petit manque. Je ne sais pas ce que tu en penses, puisque tu développes, je pense que tu subis ce genre d'aléas. Oh, je suis plus indépendant, on va dire, donc ce n'est pas vraiment des jeux AAA. Il y a moins de pression. Il y a moins de pression, mais c'est effectivement, tu soulignes un point important, c'est que justement, en plus, en ce moment, l'industrie va extrêmement mal. Il y a beaucoup de licenciements, là, je ne sais pas si tu as vu, là, les vagues de licenciements... ont été effectués, il y a des réductions de budget également, et il y a des semaines de travail, du crunch, hein, comme on dit. Oui. Ça se fait de plus en plus, et souvent, les jeux arrivent complètement cassés. Et bon, après, avec ces remasters, ils ont été assez lucratifs, et je pense pas que les coûts de développement aient été très, très grands. Et je pense qu'on peut, en tout cas, s'attendre à ce que le 4 et le 5, ça se fasse. Je pense, honnêtement, réalistiquement, hein, c'est pas un vœu, hein, je crois que c'est d'autres. Mais je pense que ça va se faire concrètement. On arrive au terme de l'interview. Toi, je t'ai accordé un peu plus que prévu, mais ça valait la peine. Il y avait d'autres easter eggs à parler. Fais-nous un petit résumé des easter eggs pour conclure. Ouais, alors, je vais essayer d'être rapide parce que oui, c'est là, on part dans un de mes commentaires, justement. Donc, il y a le portrait de Kane dans le manoir que tu avais présenté. Le réfrigérateur dans Tomb Raider 2 et 3, tu verras, il y a écrit Ray R. Odroni,
Elle Giovanni, ce sont des noms de membres de l'équipe de développement. J'en parlais justement, Reina Odron, aussi connue sous le nom de Monika Erosova, qui est une artiste ayant travaillé sur un remaster de Soul Reaver, un remaster de fan, dont le travail de texture est encore une fois similaire à ce qu'on trouve dans ce remaster-là. Et bien, son nom est également sur le réfrigérateur. Nous avons également à la fin du premier niveau, donc de Tomb Raider 2, dans la muraille de Chine, en haut à droite de l'écran. De l'écran, ouais. Il y a écrit, pardon? Troy OS, donc 3 OS, enfin Troy OS, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais c'est un fan de Tomb Raider ayant travaillé sur des mises à jour de Tomb Raider 4 qui vise encore une fois à l'améliorer. Il y a également un message sur la plateforme offshore dans Tomb Raider 2. Ce message, c'est un message de l'équipe de développement vis-à-vis des fans, vis-à-vis des demandes qui ont été faites pendant des années concernant les remasters. Je te laisserai découvrir ça dans ta visibilité. Il y a également modèle de Lara qui est visible sur les écrans brièvement, son animation de course, les jeux originaux. Les dates de sortie de Tomb Raider 1 et 4, encore une fois, visibles dans la plateforme offshore. Qu'est-ce que je dis ? Oui, Tomb Raider de Gold, il y a une jaquette de Tomb Raider de Gold cachée dans TR3. Je ne sais pas exactement où elle est, hein, mais c'est Larson qui joue. Ah, ce serait pas dans dans l'extension justement, parce que je sais qu'il y avait une boîte de jeu au tout début. Et j'interromps ici quelques secondes cette interview car j'ai retrouvé les images que j'avais enregistrées lors de ma visite du repère de Willard. C'est l'un des niveaux de l'extension de Tomb Raider 3, nommé le dernier artefact, dans laquelle l'easter egg était déjà présent. Regardez, bon, c'est une bouillie de pixels là aussi, mais regardez, on reconnaît la boîte de Tomb Raider 2 Gold. On reprend l'interview. Et il y a également un mystérieux message. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, sous le bureau de Sophia, dans Tomb Raider 3. Ah. J'enverrai toutes les images pour que tu puisses les mettre dans la vidéo, mais il y a également un soda que Lara boit dans Tomb Raider 3, où il y a écrit « Les larmes de Conrad », qui est en référence au créateur du modèle de Lara qu'on trouve dans ses remasters, donc, qui s'appelle Conrad Majski, qui est le designer qui a également animé des nouvelles cinématiques. Et on retrouve également d'autres easter eggs de Legacy of Kain, mais je n'ai pas encore trouvé, donc je ne vais pas éterniser là-dessus. Bah, ça nous permet, nous, autant à tout résumer. Mais, oui, peut-être qu'il faudrait un deuxième interview, un de ces quatre. Sans problème, parce que de toute façon, je me dois de présenter les autres jeux aussi, donc je ferai appel à tes lumières sans aucune hésitation. Mais ça va nous donner l'objectif d'essayer de les trouver justement tous, hein, en les cherchant et en partageant. On arrivera peut-être à pouvoir condenser tout ça sur la chaîne, parce que bah, tu l'as compris, je ne sais pas tout. Certains pourraient s'en targuer sur d'autres médias. mais voilà, c'est en faisant appel aux lumières des uns et des autres que j'ai pu construire souvent ces éléments que je présente sur la chaîne autour des jeux, le développement et le point culture qu'on fait à chaque fois. Donc merci beaucoup William, parce que tu as apporté ta pierre à l'édifice, comme beaucoup d'autres. Je te remercie pour cette interview, je m'y attendais pas, mais c'était une sacrée opportunité, et puis j'espère que ça pourra se représenter. Quand j'ai vu les pavés que tu mettais, j'ai dit ce garçon a des choses à nous dire. Je suis sûr qu'il en a encore d'autres. Okay, je me souviens que les pavés étaient encore plus longs. J'ai essayé de réduire, hein, on dirait pas, hein, mais je suis désolé tout le monde pour la place que je prends et comme il n'y a aucun problème, parce que je crois qu'ici personne n'a peur de la longueur. Sans mauvais jeu. Là d'ailleurs, j'avais encore d'autres choses à dire vis-à-vis du développement. J'avais mentionné d'autres membres de l'équipe. Écoute, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous pour poursuivre sur ce sujet sans aucun souci, parce qu'il y a de la place, voilà, pour tout le monde. Bah, William, tu auras peut-être trouvé d'autres choses à dire justement, et puis tu auras peut-être trouvé ce que nous cherchons. Hein, voilà les easter eggs cachés. Je te remercie beaucoup et je te souhaite de longues journées et de plaisantes nuits. Longue journée et plaisante nuit à toi aussi, puis longue journée et plaisante nuit à tout le monde, et merci à ton public pour leur présence. Et j'aimerais également dire félicitations pour les 10 ans de la chaîne, c'est pas rien, et c'est un plaisir de te suivre pour redécouvrir ces vieux jeux, même si on y joue à côté, c'est plaisant de te voir y jouer, de les présenter, de présenter les références historiques. Merci encore. Et promis, il y aura encore des Richardises. ça ne s'arrêtera pas. Salut William. Salut tout le monde.
Voilà, je ne voulais pas partir sans vous montrer les trophées que j'ai obtenus ce coup-ci. Maman, j'ai peur. Tout ça parce que j'ai fait tomber, vous l'avez vu, l'un des gardiens de Qualopec. Le Codex du Pérou, c'est la récompense pour avoir trouvé tous les secrets au Pérou. Et puis je l'évoquais dans la vidéo, pour avoir regardé les deux squelettes dans les cavernes, les grottes, et le squelette du jour dans le tombeau de Qualopec, j'ai obtenu aussi ce trophée. Et j'allais oublier la tombe non découverte de Qualopec, parce que j'ai fini le chapitre sur le Pérou. Et le trophée Petite Maligne, eh bien tout simplement parce que je ne me suis pas fait mordre une seule fois par les Vélociraptors au Pérou, et pourtant j'ai bien failli. Nous refermons là la vidéo, merci à toutes et à tous. Notamment pour vos nombreux commentaires, vos likes, n'hésitez pas à en mettre sur cette vidéo, à vous abonner, à venir visiter le groupe Facebook par exemple aussi. Je remercie aussi les tipeurs de la semaine, à nouveau David Leroy Dragon, 25 officiel, dont vous pouvez découvrir la chaîne d'ailleurs, David Leroy Dragon. Et puis merci à Bob Murderer 98. Et puis, à très vite pour la suite de nos aventures dans une nouvelle contrée. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.